Eh oh, y a quelqu'un. Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Waits, terminé. Ici.
spatiale répondent à tous les besoins des visiteurs de la station, mais aussi aux résidents de ces bâtiments. Les porte-étendards de la loi opèrent depuis le bureau du Marshall, qui assure votre sécurité 24 heures sur 24. Enfin, les suites Jaune Yassig, nommées ainsi en l'honneur du fondateur de cette corporation, abritent les travailleurs et leurs familles qui habitent sur Sébastopol et fournissent des suites de qualité aux voyageurs d'affaires. Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshall Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent, Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Tout est en train de partir en morceaux. Dernier joint de transmission, ça m'a pris un peu de temps, mais il est éteint maintenant. Je suis juste en train de fixer la dernière attache de sécurité. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite, on pourra se barrer d'ici. Putain, mec, j'entends des bruits de partout. Le moindre craquement, enfin, mêle-toi le cul, tu veux. Ça doit sûrement être la sortie.
Turner. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Ouais. Ok. Je voudrais soumettre une plainte à la plus haute autorité, c'est compris ? Je m'appelle Zachary Watson. W-A-D-S-O-N. Vous avez tout ? Très bien. Ma plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. Il ferait mieux de nous protéger, c'est leur boulot. Il y a un truc sur la station avec nous. Et personne sait ce que c'est. Pourquoi ils nous disent pas, les Marshalls? Ils m'ont juste enfermé, c'est con. Je veux déposer une plainte. Je l'ai déjà dit, non? Je te jure, j'ai vraiment peur, mec. J'ai vraiment... Putain... J'écris trop. Personne n'est venu. Je me les pèle ici. Je crois que cette saloperie marche même pas.